Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes ici pour commencer la table de 11h15 avec Monsieur Fabrice Dume, sociologue, membre du collectif FIS, Maxime Goletto, étudiant en master d'histoire à la Sorbonne Université, et Madame Naïssa Kimbaza, diplômée d'un master en sociologie, Sorbonne Université. Donc, je parole à Monsieur Dume pour qu'il fasse commence sa communication. Merci, je vous remercie d'être présent. Alors, à vous. Merci. Alors, merci d'abord de votre invitation et je me réjouis de choses que j'ai entendues concernant le projet de ce colloque, qui sont très en écho avec l'un des projets collectifs auxquels je contribue en ce moment, qui est le projet Acadiscrit, sur l'expérience des discriminations dans l'enseignement supérieur et la recherche, et dont j'espère qu'il pourra prendre place à Sorbonne Université. Mon propos va s'organiser autour de la question de la parole et de parler, se taire face au racisme vécu et sur les enjeux finalement de la parole sur le racisme pour les personnes qui le subissent. Alors, de façon générale, il s'inscrit dans une perspective du racisme, d'analyse des discriminations sous l'angle des rapports sociaux, c'est-à-dire des rapports de domination, d'oppression et d'exploitation, qui en fait s'expriment souvent sous l'angle de légitimité différentielle de la parole. Qui a accès à la parole publique, qui n'a pas voix au chapitre, quelles sont les voix qui comptent ou qui ne comptent pas, mais aussi quelles sont les paroles qui sont tenues pour n'être que du bruit inarticulé. La question, comme le dit Jacques Rancière, la question en fait des discriminations est le lieu de ce qu'il appelle une mésentente, c'est-à-dire d'un problème politique d'entendement et que je pourrais illustré, et puis je reviendrai plus dans le détail sur cette question-là, par une constatation que je fais dans le cadre d'un projet que je mène actuellement avec la ville de Villeurbanne sur la discrimination dans l'orientation scolaire et qui m'amène à travailler avec les équipes des collèges et des lycées de la ville. En fait, l'une des préoccupations des professionnels qui sont engagés dans ce projet, autour du thème des discriminations, et que les élèves s'autorisent à parler de la discrimination qu'ils pourraient vivre à l'école, et notamment dans l'orientation scolaire. Mais en fait, ce qui apparaît dans le travail qu'on est en train de mener, c'est que lorsqu'on ouvre un espace de parole de confiance, les élèves parlent de ce qu'ils vivent. Par contre, il apparaît aussi que c'est beaucoup plus difficile du côté des adultes et des enseignants d'entendre ce que disent les élèves, et notamment d'entendre la portée politique de leur critique des rapports de pouvoir scolaires. Voilà. Quand ils parlent de la discrimination, ils parlent aussi des rapports de pouvoir de l'école. Et ça, c'est beaucoup plus désagréable et beaucoup plus compliqué à entendre pour les adultes. Ça m'amène en fait à proposer l'idée que la problématique de la parole publique n'est pas d'abord orientée vers la parole elle-même ou vers la question de la parole elle-même, mais vers vraiment le problème de l'entendement. Et donc aussi vers des formes d'envers que sont soit le silence, et non la prise de parole, la défection, on pourrait le dire comme ça, ou ce que James Scott appelle le texte caché. Alors, je vais ici à peine entrouvrir un peu une question qui est une question vraiment polyphonique. Sur la problématique de la parole publique sur la discrimination. Et je le ferai à partir de deux exemples tirés de mes enquêtes au sein de l'institution scolaire pour pouvoir ou proposer en fait d'ouvrir la réflexion sur le statut et les conditions publiques de la parole sur la discrimination et du coup aussi sur quelques-unes des contradictions qui traversent l'action publique ou les institutions lorsqu'elles affirment vouloir ouvrir la parole sur les discriminations vécues. Alors, le premier exemple, c'est un exemple à travers une trajectoire personnelle, celle d'un jeune homme, Hakim, que je rencontre lorsqu'il est au lycée professionnel. Et Hakim me raconte sa trajectoire et il m'explique qu'au collège déjà, ses choix d'orientation ont été contrariés, comme c'est le cas pour beaucoup de jeunes qui se retrouvent au lycée professionnel et dans des filières qu'ils n'ont pas choisies. Il me raconte qu'à plusieurs reprises dans les moments d'orientation, on l'a poussé vers des métiers manuels, alors que lui, il souhaitait se réaliser dans le domaine de la vente. Et confronté en fait à cette situation-là, il écoute les conseils de son frère et il quitte l'école pour tenter un apprentissage. Mais
Il n'a même pas réussi à aller jusqu'à l'inscription en apprentissage, qui suppose, comme vous le savez, de trouver préalablement un patron, puisqu'il fait l'expérience répétée de discrimination dans la recherche d'un patron qui accepte de le prendre en apprentissage. Donc, découragé, il va revenir vers l'école, après la répétition de cette expérience-là, il jette l'éponge, il revient à l'école par l'autruchement d'un dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Et quand je le rencontre pour un entretien, il fait un BEP de maintenance de systèmes mécaniques automatisés. Et là encore, il n'arrive pas à trouver de stage. Or, vous savez que les stages en BEP sont une des conditions de validation de son diplôme. Alors, la première année, on lui accorde une dérogation, c'est en lui disant, bon, tu n'en feras pas, on accepte que tu n'en fasses pas la première année et tu en feras un la deuxième année. La deuxième année, rebelote, il n'arrive pas à trouver de stage dans son domaine. Et finalement, la seule piste qu'il trouve, c'est un stage dans une chaîne de télévision locale, dans lequel il va apprendre, comme il dit, à monter un film, ce qui est évidemment très éloigné de son référentiel de formation. Alors, je pince sur les conséquences que ça peut avoir, évidemment, sur son diplôme et la validation de son diplôme, mais pour continuer sur son expérience dans ce lycée. En fait, il a des rapports assez conflictuels avec certains enseignants, et notamment dans les matières techniques principales, et un enseignant qui lui dit, selon Hakim, je le cite, tout au long de l'année, toi et tes camarades, vous cherchez la merde, et tout ça, alors maintenant vous allez payer. Et effectivement, lorsque Hakim passe le BEP, il explique que ce professeur vient à côté de lui, et puis qu'il épluche une orange, qu'il mange une orange devant lui, et qu'il lui dit, ouais, cette orange, elle vient du Maroc. Je fais, oui, mais pourquoi vous me dites ça? Et il commence à travailler, il recommence à travailler, à ignorer l'enseignant, et l'enseignant lui dit, ouais, cette orange, elle est pourrie. Et donc Hakim comprend qu'on venait le provoquer, d'une certaine manière, et il maintient, enfin il essaye de continuer à travailler, mais cette scène le dure, et finalement le jeune homme est déconcentré et va rater son examen. Et du coup, il va décider de ne pas laisser passer l'affaire, il va aller chercher des alliés, essayer de chercher des alliés au sein de l'institution scolaire. Et il explique, j'ai attendu la fin de mon examen, je suis parti voir le CPE. Le conseiller principal d'éducation, le CPE m'a dit, tu as la preuve? Si maintenant il faut des preuves, juste après avoir vu le CPE, j'ai été voir le proviseur et il m'a dit qu'il n'avait pas le temps. Donc Hakim fait l'expérience répétée de chercher un certain nombre d'interlocuteurs pour pouvoir faire reconnaître le tort qu'il a subi. Il se répète cette scène dans laquelle sa parole n'a pas lieu d'être, n'a pas la place pour pouvoir se déployer et être entendue. Et il en conclut que, bon, de toute façon, dit-il, ça arrive tout le temps, ça devient normal maintenant, donc voilà, faut laisser passer. Alors, cet exemple, il montre la difficulté, évidemment, à trouver des alliés dans l'institution pour faire valoir l'expérience du racisme et faire reconnaître le tort. Il montre aussi que, ben, évidemment, avec l'expérience répétée de la discrimination et du racisme, un phénomène de socialisation au racisme, dans lequel on apprend à la fois la discrimination et sa position d'être discriminable ou racisable, mais dans le même mouvement, on apprend à se taire, on apprend à ravaler, on apprend à désinvestir la situation pour limiter l'effet de violence. Et on apprend aussi à investir, c'est en tout cas la trajectoire de Hakim, qui est en cela une subjectivation plutôt masculine, une logique d'assomption individuelle. Voilà, je vais m'en sortir tout seul. Sans ou contre les institutions et dans un rapport plutôt instrumental, par exemple à l'école. Et Hakim en ressort avec deux éléments j'aimerais dire, qui ont construit son rapport au monde. C'est d'abord l'absence globale de confiance dans la parole, dans l'idée de la parole, puisqu'il me dit au cours de son entretien, moi je suis pas négatif, je suis plutôt réaliste. Je sais que c'est pas en parlant comme ça que ça va changer des choses. Et puis, d'autre part, il manifeste en même temps l'importance pour lui de la parole, qu'il conduit finalement à donner crédit à une parole qu'il désigne comme vraie, même si ça revient au fond à légitimer le racisme, puisque il va me présenter un de ses enseignants avec qui, un des rares enseignants avec qui il a pu parler de discrimination, et il me le présente ainsi en disant, ben moi je parlais bien avec lui, franchement c'était un de mes meilleurs profs, et il m'a dit, ouais. Sincèrement, j'aime pas les gens de quartier. Et Hakim est
étonné parce qu'il me dit finalement, il a été sincère. Il ne l'a pas caché et du coup, c'est cette sincérité finalement dans la relation de parole avec l'enseignant qui fait qu'il va investir cet enseignant d'une image positive. Donc, l'illustration de cette problématique de la parole. Un deuxième exemple très différent, qui est un colloque local qui est organisé par l'État sous le signe de la diversité ou du dialogue et de la rencontre entre jeunes et entreprises. En fait, ça se passe dans un contexte où il y a une controverse locale sur la géographie de la politique de la ville, et dans une commune, des habitants d'un quartier manifestent contre le fait que leur quartier n'a pas été reconnu, n'a pas eu de label politique de la ville qui permettait d'avoir des ressources pour pouvoir agir sur les enjeux locaux. Et donc face à cela, ceux qui sont désignés par l'État comme des jeunes vont utiliser un argument qui est qu'une des villes voisines, qui selon eux n'est pas plus en difficulté, aurait obtenu le label politique de la ville suite à des incendies de voitures. Et donc, lecture sécuritaire de la part du sous-préfet local, qui voit là la menace possible de ce qu'il voit comme des violences urbaines. Et la réponse qui va être faite, c'est d'organiser une espèce de colloque où, dont on voit bien dans le contenu que c'est la discrimination, et notamment les discriminations en stage et dans l'emploi qui est au centre des problèmes, mais qui ne peut pas être dit officiellement. Et le sous-préfet insiste pour ne pas parler de discrimination, mais pour montrer, je le cite, les aspects positifs de la diversité. Alors, comme le colloque est sous-tendu par la catégorie jeune et par une lecture sécuritaire, toute l'organisation matérielle du colloque est tendue vers la contention physique, depuis l'extérieur du bâtiment. Le parking est obstrué par des barrières filtrantes, il y a une grande présence de gendarmes à l'entrée et à l'intérieur du bâtiment. Et j'ai envie de dire, à l'intérieur aussi, l'espace qui était censé être dédié au dialogue et à la rencontre est organisé par une contention qui prend des formes extrêmement différentes. Le temps a été extrêmement minuté, de manière à ce que les discours s'enchaînent. En une après-midi, on a 15 orateurs. Les discours officiels encadrent une prise de parole, le moment de la prise de parole possible de ceux qui sont qualifiés de jeunes. Et ces 10 jeunes ont été largement sélectionnés. D'ailleurs, le sous-préfet en fait un argument de vente, j'ai envie de dire, puisqu'il me confie, ne vous en faites pas, on les a choisis. Et alors, ce qui est intéressant, alors, ils les ont choisis, mais en plus, ils ont travaillé sur la préparation écrite des discours, de manière à ce que les discours soient tenus et ne débordent pas. Et alors, ce qui est intéressant dans cette scène, c'est ce qui va se passer effectivement sur scène et qui va montrer d'une certaine manière le véritable, me semble-t-il, le véritable objet du colloque. C'est l'organisation physique de deux rangées. D'un côté, la rangée des jeunes qui est censée témoigner, et de l'autre, celle des patrons qui est censée aussi apporter son témoignage sur la question de l'embauche des jeunes. Et tout cela est mis en scène comme une espèce de combat rangé dans lequel le représentant de l'État est posé au milieu comme une instance tierce qui arbitre le conflit social. 4 jeunes ont été sélectionnés, dont 3 sont sortis de lycée professionnel, et avec un espèce de dégradé dans la prise de parole selon le critère qu'on comprend être celui de la réussite des parcours d'insertion. Et donc on met en scène en fait deux personnes qui sont appelées à jouer le rôle des jeunes qui ont réussi, et qui vont s'appliquer en fait, très soigneusement au fond à tenir ce rôle, en témoignant tout au long de leur prise de parole à leur fidélité à l'idéologie entrepreneuriale. Ils tiennent un discours combatif, volontaire, ils remercient abondamment les patrons de leur avoir fait confiance, de leur avoir donné une chance, etc. Et la parole arrive évidemment au dernier de ces jeunes, celui dont je suppose qu'il est censé représenter celui qui a moins bien réussi que les autres, ou du jeune en difficulté. Et celui-ci se saisit du micro d'une manière très différente des précédents, puisque avec une aisance qui est une aisance manifeste de rappeur, il s'autorise à parler de la discrimination, ce qu'on n'a pas fait les autres jusque là. Et il le fait sous les applaudissements des copains dans la salle, ce qui veut dire qu'y compris du point de vue du public dans la salle, il y a un clivage hein, entre ceux qui soutiennent la mise en scène étatique et patronale d'un côté et ceux qui soutiennent ce jeune qui prend le micro. Voilà. Et face à son insistance, sa résistance à parler de la discrimination, tout le monde va s'y mettre, des représentants de l'entreprise, de l'État et même des autres 10 jeunes sur la scène,
pour lui opposer la volonté de réussir, des exemples de success story. Et comme il ne se tait pas, on finit par le disqualifier ouvertement en lui disant, c'est pas étonnant que vous ne trouviez pas, vous n'êtes pas positif, regardez-vous, comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance, etc. Alors, cette scène, elle illustre évidemment une des classiques réponses de l'État que l'on connaît depuis au moins les marches pour l'égalité et contre le racisme, c'est-à-dire que face à un problème de discrimination qui est posé sur la scène publique, une logique de la déviation d'une parole politique. Et on voit qu'un des mécanismes importants dans cette affaire, c'est évidemment le retournement vers et contre les publics par une attribution individuelle des causes. Voilà. On est en fait ici dans une mise en scène qui est typiquement celle que l'anthropologue James Scott nomme une performance du respect, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'organisation de la parole publique, c'est la nécessité de respecter l'ordre du pouvoir avec la menace de l'humiliation publique si ce n'est pas le cas. Alors pour terminer, à travers ces deux exemples, ou à partir de ces deux exemples, je soulignerai simplement quelques éléments qui sont, à mon avis, des grands plans de tension ou de contradiction autour de la possibilité d'une parole publique. Première chose, c'est que, comme je le disais, il faut partir, à mon sens, du fait que la parole sur le racisme et la discrimination vécue recèle une dimension intrinsèquement politique, qui est une critique publique de la réalité d'un ordre social hiérarchisé et inégalitaire. Pardon, ça c'était mon timer, ce qui veut dire que j'ai fini. Donc je termine très, très rapidement. Oui, pardon, j'en étais donc à l'idée que la parole sur le racisme recèle une dimension intrinsèquement politique et qu'en fait c'est une critique de la réalité sociale hiérarchisée et inégalitaire qui prospère sous l'image des valeurs de la République, de l'entreprise, etc. Deuxième chose, c'est que cette parole fait l'objet, on l'a vu dans ces exemples, sous des formes et des niveaux différents, d'un contrôle social multiforme, et notamment le maintien d'un ensemble de conditions qui rendent illégitime le paradigme même des discriminations et la parole sur son expérience. Et qui, du coup, ont des conséquences en termes d'influence sur à la fois les répertoires identitaires par lesquels se définit Hakim, mais aussi par les répertoires politiques de dénonciation, comme on l'a vu dans la scène du colloque. Et notamment, nous sommes dans un environnement qui est très organisé, comme dans le colloque, par exemple, sur les référentiels, le colloque que je mentionnais, hein, sur le référentiel politique de la diversité ou de l'insertion, qui joue comme un empêchement à faire reconnaître la problématique des discriminations. On a évoqué aussi au démarrage de ce colloque un élément central sur la question de la possibilité de la parole, qui est un certain nombre de logiques publiques d'incrimination des paroles autonomes sur le racisme, avec les polémiques, les mises en polémique à répétition, que ce soit sur la question dite de l'islamo-gauchisme récemment, que ce soit sur les polémiques autour des stratégies syndicales ou associatives sur l'usage de la dite non-mixité, hein, au nom de la libération de la parole. Enfin, et je dirais de manière synthétique, je proposerais l'idée que les rapports institutionnels à la parole publique sur la discrimination tendent à être organisés par plusieurs pôles qui délégitiment et dépolitisent la question, et j'en noterai au moins trois. Le premier, c'est la négation. Et on le voit bien dans le premier exemple que j'ai donné, celui d'Hakim, c'est-à-dire le déni au fond d'un vécu, ou la minimisation de ce vécu comme si elle était anecdotique ou individuelle. On en a d'autres exemples récents sur l'expression des quelques brebis galeuses dans la police, par exemple, hein, qui individualise et minimise une réalité qui est de nature, à mon avis, plus structurelle. Deuxième élément, donc premier, la négation. Deuxième, c'est la victimisation, au sens que lui donne Goffman, c'est-à-dire la fabrication d'une victime par une catégorisation et une action institutionnelle qui enferme les personnes dans un statut pathétique. Et troisième logique, c'est une logique que j'appellerais la discursivisation, c'est-à-dire qui réduit la parole à une logique du discours. En imposant au fond à la prise de parole publique une dépolitisation ou les conditions d'une dépolitisation contre, on l'a vu dans le colloque que je mentionnais, contre une menace de disqualification dans l'espace politique, mais ça vaut aussi par exemple dans l'espace académique, ça a été rappelé au démarrage de ce colloque, sous prétexte par exemple de travaux qui seraient engagés. Voilà, je vous remercie. On n'entend pas là. On vous entend pas, est-ce que vous pouvez allumer votre micro?
Excusez-moi, j'ai éteint mon micro parce que il y avait des problèmes de transmission. Alors je vous remercie votre communication très intéressante avec des questions entamées, des exemples entamés sur une recherche empirique très riche et qui porte justement sur cette contradiction, sur la torsion dont vous avez parlé de la parole publique. Et je pense qu'on aura des questions sur ce que vous nous avez présenté. Et je passe donc la parole tout de suite à Maxime Goletto. Merci Maxime de votre présence. Merci beaucoup Laura et merci beaucoup aux organisatrices de ce colloque qui rendent ça possible même en une période compliquée. Donc, je trouve ça très important. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je suis étudiant en master 2 d'histoire et j'écris un mémoire sous la direction de Madame Laura Dumel. Et je vais aujourd'hui essayer d'exemplifier l'un des thèmes du colloque qui est celui du fondement et de la constitution des inégalités à travers eh bien, une situation historique qui est la situation historique des esclaves affranchis au Brésil pendant la période de la traite interne. Alors d'abord, petit point historique rapide pour situer ce qui se passe. Au XIXe siècle, le Brésil est un pays récemment indépendant, puisqu'il l'est devenu en 1822. C'est un pays qui est encore largement rural et dont la production économique nationale est largement dépendante de la production de café, qui est une production intensive qui nécessite une main-d'œuvre importante. Et cette main-d'œuvre, elle est exclusivement une main-d'œuvre esclave. Pour constituer cette main-d'œuvre esclave, le Brésil a eu recours de manière importante à la traite atlantique, puisqu'on estime à environ 5 millions d'esclaves ont été apportés des côtes africaines au Brésil, soit près de 40% de la totalité des esclaves ayant été impliqués dans la traite atlantique. Cependant, en 1850, va arriver un événement historique majeur qui va bouleverser cet équilibre, qui est l'abolition brutale de la traite atlantique et le fait qu'elle soit imposée par des pressions internationales, notamment celle du Royaume-Uni. Et donc, cette abolition de la traite va avoir des conséquences démographiques sur la population esclave, puisque progressivement, tous les esclaves présents au Brésil seront nés au Brésil. Donc, nous n'aurons plus d'esclaves africains. Ces esclaves nés au Brésil, ils ont un nom, on les appelle les crioulos, et ils jouissent d'un statut particulier, puisque, ayant grandi, ayant été élevés au Brésil, ils parlent couramment portugais, sont bien souvent formés à la catéchèse, et donc jouissent d'une certaine position dans l'œil du maître, qui les rend un petit peu extérieurs aux communautés esclaves. Et donc ici, je vais essayer de montrer comment ces esclaves crioulos vont mettre en œuvre des stratégies d'affranchissement, autant individuelles que collectives, autant légales qu'illégales, et je vais essayer de montrer comment ces stratégies mettent en avant les inégalités raciales au Brésil au XIXe siècle et comment elles se sont construites. Donc dans un premier temps, voilà, pour essayer de cadrer un peu ma présentation, je vais essayer d'énumérer certaines des stratégies d'accès à la liberté. Ensuite, on va parler de la condition de vie des libertes, ce qui sont donc les esclaves qui ont été libérés. Et enfin, comment tout ça met en avant la construction durable d'inégalités raciales, même après l'abolition de l'esclavage. Donc on a d'abord des stratégies légales. J'aimerais vous parler donc, de trois méthodes. La première étant le mariage, comme on peut le voir sur la gravure ici. Alors le mariage esclave est une occurrence rare, mais qui arrive, qui est octroyé comme un privilège de la part du maître. Donc le maître de la plantation va accorder à un esclave, qu'il perçoit généralement bien, le droit de se marier à une autre femme esclave. La cérémonie est évidemment une cérémonie catholique, à laquelle assiste souvent le maître. On voit ici, ce qui est intéressant dans cette gravure, c'est que le mariage esclave est fait sur une espèce de mimique du mariage blanc, puisqu'on a ces tenues d'apparat. À noter que toutes les personnes présentes sont des esclaves, sauf le prêtre, et que pour autant, elles ont des habits festifs. Donc on voit comment il y a cette volonté de mimer, d'imiter la condition libre du maître. Alors, excusez-moi. Je vais revenir en arrière. Une autre stratégie légale, c'est
l'apprentissage d'un métier non rural, et donc par cela la sortie de la condition d'esclave des champs. En effet, de plus en plus d'esclaves, à partir de l'abolition de la traite, vont être soit forcés, soit vont finir par apprendre un métier évidemment manuel, que ce soit un métier de maçonnerie, un métier de ferraillerie. Et la pratique d'une telle profession va leur permettre de ne plus être assimilés à l'imaginaire national de l'esclave travailleur agricole qui se noie un petit peu dans une masse importante d'esclaves présentes sur des plantations. Par exemple, dans le sud-est, il y a des plantations avec plus de 7000 esclaves agricoles donc, qui appartiennent à un seul maître. Donc, c'est-à-dire que noyé dans cette masse-là, l'esclave est invisible. Et donc, le fait de se démarquer par la réussite d'obtenir un travail, de se former à un métier, lui permet donc de sortir du lot et de favoriser ses chances d'accès à la liberté. Enfin, une troisième stratégie d'accès à la liberté légale, c'est la promotion hiérarchique sur la plantation. En effet, comme je l'ai dit, il y a des plantations qui sont extrêmement importantes avec une main-d'œuvre très nombreuse, et le maître a besoin d'intermédiaires de son autorité, et il arrive régulièrement que ce soit des esclaves qui soient à qui on donne le pouvoir, l'intermédiaire du pouvoir du maître. Et donc cette position est évidemment une position favorable, puisque encore une fois, ça lui permet de se distinguer et de se faire bien voir aux yeux du maître. Puisqu'en effet, l'accès à la liberté n'est aucunement un droit, c'est plutôt un privilège octroyé par le maître comme une récompense qui va permettre à certains esclaves de racheter leur propre liberté de manière assez spontané, ou enfin, y a pas d'obligation, il le fait comme il le souhaite. Donc toutes ces stratégies-là, elles sont là pour favoriser ses chances d'avoir la chance de se racheter. Voilà. On peut aussi noter que ce sont des stratégies qui sont souvent utilisées conjointement. Ici, ce que j'ai à l'écran, c'est un document d'archives, c'est une liste d'esclaves qui sont transférés d'une plantation à une autre. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a plusieurs colonnes et que absolument tous les esclaves qui ont un métier, un office qui n'est pas celui du champ sont mariés, alors que ceux qui ont l'office du champ sont célibataires. Et donc là, j'ai mis la première page du document, mais il y a des dizaines de pages et on en trouve plusieurs. Donc on a une vraie corrélation. On comprend bien que, en fait, une fois que l'esclave s'est fait bien voir aux yeux du maître, il va pouvoir apprendre un métier, il va pouvoir avoir le droit de se marier, monter hiérarchiquement sur la plantation et éventuellement accéder à l'opportunité de la liberté. L'autre penchant des stratégies de liberté, ce sont les stratégies illégales. J'en dénote deux principales. D'abord, la fuite. Alors évidemment, c'est un petit peu la stratégie instinctive à laquelle on pense immédiatement. Beaucoup d'esclaves tentent de prendre la fuite de plantation et de se réfugier dans l'intérieur des terres de la forêt, ou en tout cas à l'intérieur des terres brésiliens, qui est encore à ce moment-là très peu exploitable. Il n'y a pas vraiment de route ou d'infrastructure nationale, donc c'est une opportunité de se cacher. Seulement, c'est évidemment une option qui est très dangereuse, très précaire. Et on rajoute aussi que, bien souvent, des maîtres qui ont des esclaves en fuite sont prêts à payer plus cher pour récupérer leur esclave qui a fui que pour acheter un nouvel esclave. Donc ça montre quand même qu'il y a une importance idéologique et symbolique de récupérer l'esclave fuyard, et que vraiment le système esclavagiste va tout mettre en œuvre pour empêcher cette fuite d'esclaves. Et la deuxième stratégie illégale, qui est une stratégie collective, et c'est ce qui est représenté sur cette gravure, c'est la révolte. Ici, c'est une illustration de l'insurrection des mâles, ce qui a eu lieu à Salvador en 1835. Donc, à l'inverse de la fuite, c'est donc une stratégie collective, violente, qui donc essaye de prendre le pouvoir sur la plantation par la violence. Évidemment, encore une fois, c'est une stratégie dangereuse, précaire et surtout temporaire, puisque l'armée finit par intervenir en fait dans ces situations-là. Donc la révolte d'esclaves est toujours localisée de manière très ponctuelle. Donc ce qu'on remarque bien, c'est que les stratégies les plus sûres pour les esclaves d'accéder à la liberté, ce sont les stratégies légales. Et tout l'effet pervers, c'est que ces stratégies légales, elles impliquent d'accepter, et en tout cas de faire semblant, de prétendre, consentir à la logique servile. C'est-à-dire que ce n'est pas en rupture avec la logique servile, au contraire, c'est dans la prolongation de celle-ci, c'est le bon esclave qui est récompensé l'octroiement de la liberté. C'est intéressant, c'est une idée, c'est une perception de l'esclave qui est assez répandue au Brésil à ce moment-là. Il y a plusieurs romans qui en parlent. J'ai notamment dénoté
un roman de 1878 de Machado de Assis qui s'appelle Iyai Agassi, qui décrit donc la vie sur la plantation. Et à un moment donné du roman, un maître âgé décide de libérer son esclave qui l'a servi toute sa vie. Et l'esclave refuse de sa libération puisqu'il préfère continuer à servir son maître. Et tout le propos autour de cet événement, c'est que c'est un esclave vertueux qui comprend la vertu du système esclavagiste. Et pour ça, c'est un bon esclave. Donc on voit quand même ce fantasme un peu du maître, ce mythe de l'esclave consentant. Mais une fois que la liberté a été obtenue, que deviennent ces esclaves libérés qu'on appelle les libertus? Et on se rend compte que la liberté acquise par l'esclave n'est pas du tout la même que la liberté naturelle du blanc. En effet, même une fois que la liberté est octroyée, déjà elle n'est pas octroyée gratuitement, comme je l'ai dit, le maître permet à son esclave de se racheter. Donc, ce qui pose beaucoup de problèmes, puisque bien souvent, l'esclave n'a pas d'argent, de fait. Donc, il est obligé de s'endetter auprès de son maître, et pour le rembourser, il va travailler gratuitement pour lui en tant qu'esclave, alors qu'il est libre. C'est une situation qui persiste même après l'abolition de l'esclavage de 1888. On a des exemples d'esclaves qui, par exemple, s'endettent de 7 ans de travail libre en 1886 auprès de leur maître, et donc continuent à travailler gratuitement pour lui jusqu'en 1893. Soit 5 ans après la fin de l'abolition. Au-delà de ça, même si l'esclave avait réussi à constituer un pécule, ce qui arrive, hein, et qu'il a pu racheter son esclavage sans liberté, sans s'endetter, il n'a pas les mêmes libertés que le blanc, parce que sa liberté est un privilège, et elle n'est assurée que par la reconnaissance communautaire de ce privilège. C'est-à-dire qu'il dépend du fait que sa communauté le reconnaisse comme homme libre, de manière exceptionnelle. Donc il ne peut pas changer de communauté. Par exemple, un esclave qui est affranchi à Savoie d'Eau ne peut pas décider, le jour de son affranchissement, d'aller habiter à São Paulo, parce qu'il courait un risque réel, et qui est arrivé, d'être réasservi une fois arrivé dans une nouvelle région. Donc il n'a pas la liberté de déplacement, et encore au-delà de ça, bien souvent, une fois qu'il est affranchi, c'est qu'il a fait ses stratégies légales, donc il est marié, il a peut-être même des enfants. Il arrive que l'esclave soit libéré et pas sa famille, donc il est contraint de rester sur la plantation et de continuer à travailler pour le maître. Les deux illustrations que j'ai mises sur le diaporama, c'est à droite en noir et blanc l'image d'un esclave affranchi qui est à cheval et qui supervise une plantation de sucre. Donc en fait, cet esclave-là, après son affranchissement, continue à travailler pour son maître dans le même cadre qui est le cadre de l'exploitation rurale. Et à gauche, on a un esclave qui est devenu capitaine d'umato, c'est-à-dire celui qui va chasser les esclaves en fuite pour le profit du maître. Donc encore une fois, il est toujours il travaille toujours pour le maître. On comprend bien alors que la nature de la liberté de l'ancien esclave est une nature exceptionnelle, et surtout que son affranchissement ne vient aucunement remettre en cause la légitimité du système esclavagiste. Puisque, au contraire, en fait, c'est la récompense du bon esclave, comme je l'ai dit. Donc, l'accès à la liberté, légalement, va renforcer idéologiquement le système et la logique servile brésilienne. On comprend bien, alors, que l'esclavage et le vécu d'esclave a informé la liberté, informé la liberté future de ces esclaves. Et donc, on comprend comment a pu se constituer des inégalités raciales sur le modèle d'un esclavage qui a pourtant été aboli ou qui pourtant ne concerne plus l'individu en question, puisqu'évidemment, ces inégalités persistent après la fin de l'esclavage de 88. Donc voilà, j'espère que cet exemple historique aura pu montrer, dans une certaine mesure, comment peuvent se construire les discriminations à l'époque contemporaine. Laura, on ne vous entend pas. Une fois encore, je m'excuse et je vous remercie de cet exposé historique sur une situation extrêmement complexe qui est celle du Brésil esclavagiste et qui pose énormément de questions sur les relations entre la loi et la préservation d'un système, enfin des habitudes dans la société qui ne changent pas. Je pense qu'on peut revenir là-dessus. Je passe la parole donc à Madame Naïssa Kambaza, qui est diplômée d'un master en sociologie à la Sorbonne Université. Je vous remercie de votre présence et je vous passe la parole tout de suite. Merci.
Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Naïssa Kimbaza et donc j'interviens dans ce colloque dans le cadre de mon mémoire de recherche de Master 1. Donc, mon intervention s'intitule donc Normes et représentations des cheveux texturés, expérience du racisme au quotidien. Donc, dans le cadre de ce colloque, on a tenté vraiment de s'interroger, de se questionner sur les fondements et les origines de la discrimination contemporaine. Et on peut voir, donc on a pu voir à travers le récit de Maxime et également d'autres récits, que les discriminations sont très fortement ancrées dans des pratiques historiques. Donc moi aussi, je vais faire un petit retour historique donc à travers le prisme des cheveux. Donc de tout temps, les cheveux ont toujours été un support d'expression. On peut le voir encore à l'heure actuelle, donc à travers des groupes alternatifs tels que les punks. Et dans les populations africaines, c'est également le cas. Donc les cheveux ont une symbolique très forte et une historicité très forte également. Donc bien avant la colonisation, en Afrique subsaharienne, le cheveu était un indicateur social. Donc il pouvait servir à donc indiquer donc l'âge d'un individu, sa religion, son statut social, son statut marital et bien d'autres marqueurs sociaux. Donc, par exemple, au XIIe siècle, lorsqu'une jeune femme wolof se rasait la tête, ça signifiait qu'elle n'était pas prête pour le mariage. Et encore aujourd'hui, dans certaines cultures, on peut avoir des femmes qui se recouvrent la tête ou bien se rasent la tête lors d'un deuil ou d'un événement marquant. Au XVe siècle, on va avoir d'autres populations, donc les Wolofs, les Mandéens et les Mandingues, qui vont vraiment utiliser le cheveu comme un réel moyen de communication. Donc, en ce sens, on voit vraiment que le cheveu, c'est quelque chose d'éminemment politique. Et on peut le voir également donc, au XVIe siècle, donc, lorsque les premiers navires négriers arrivent. Une des premières actions qui était faite était de couper les cheveux donc, des nouveaux esclaves pour, en fait, tout simplement effacer leur appartenance ethnique. Donc on l'a vu, le cheveu est un fort marqueur social. Donc couper leurs cheveux, ça participait en fait à un processus d'effacement de l'identité de l'individu. Et privés de leurs cheveux, les esclaves n'étaient plus capables de se reconnaître entre eux et donc de s'unir pour lutter contre l'oppresseur. Donc, par la suite, durant les 400 longues années qu'ont duré l'esclavage, les femmes étaient privées vraiment de tout moyen, de toute ressource, d'outils pour pouvoir s'occuper de leurs cheveux. Donc, l'art, en fait, du tressage, c'est un art qui va se perdre avec le temps. Donc, elles ne disposaient pas des outils nécessaires, donc, pour l'entretien de leurs cheveux, et les maîtres esclavagistes ne leur fournissaient pas non plus vraiment les outils nécessaires à l'hygiène basique corporelle. Et donc la nature du cheveu crépus étant une nature qui demande du soin et de l'entretien, à défaut de ce soin, elle va commencer vraiment à s'abîmer. Donc les cheveux vont se tasser entre eux, ils vont s'assécher et ils vont se durcir. Donc les esclaves vont commencer à vraiment à déprécier la nature de leurs cheveux. Ils vont les garder très courts et ils vont commencer donc à les recouvrir donc avec le mouchoir de tête comme vous pouvez le voir donc sur le diaporama. Et cette pratique elle s'est très largement répandue. On le voit notamment voilà sur les tableaux, dans les films historiques et elle devient vraiment un symbole du rejet capillaire des femmes noires. Et vraiment de l'oppression des maîtres esclavagistes. Donc, en plus de cela, on va avoir donc en 1785 le gouverneur donc Esteban Rodríguez Miró qui va mettre en place une loi, donc la loi Tignon, qui a imposé aux femmes noires de recouvrir leur tête en société. Donc, elles devaient vraiment voilà couvrir leurs cheveux avec une étoffe et s'abstenir de toute attention excessive à leur habillement. Et donc, c'est de là qu'est né l'art de l'attaché de foulard qui est vraiment très répandu aujourd'hui dans les populations, dans les communautés africaines, afrodescendantes et afro-caribéennes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par manque de soins et d'entretien, les cheveux des esclaves s'en mêlent, ils vont vraiment attraper la poussière et ça va donner un argument au maître esclavagiste pour... voilà, pour en fait dénigrer et dévaloriser ce cheveu. Donc ils vont avoir de plus en plus de remarques dévalorisantes, dégradantes, humiliantes, et ils vont commencer à nourrir un ressentiment envers la texture de leurs cheveux. Donc je vais encore faire un bond historique. Après donc la fin de l'esclavage, ils ne sont pas en fait revenus donc
Alors, sur le continent, vivant désormais en fait dans un monde occidental, leurs pratiques esthétiques vont se calquer sur celles en fait des blancs, et donc leur idée même d'un beau cheveu était totalement changée. Donc ils considéraient le cheveu crépu comme un cheveu qui était mauvais, et c'est de là que va naître la notion de bons cheveux et de mauvais cheveux. Donc avoir des cheveux qui ressemblent aux cheveux donc du maître esclavagiste, donc le plus lisse possible avec le moins de texture, c'était perçu comme un signe de beauté et d'évolution. Et la texture du cheveu de l'esclave va influer sur ses opportunités dans la vie, dans son accès à l'éducation. Il va pouvoir avoir un meilleur traitement et effectivement l'éventualité même d'être libre. Donc les années passant, on va avoir de plus en plus d'esclaves avec donc la peau la moins noire possible, les cheveux les moins crépus possibles qui vont apparaître. Donc c'était des enfants qui étaient issus de liaisons, voire même de viols des maîtres esclavagistes sur les femmes noires. Et avec l'apparition de ces esclaves, on va avoir la notion donc de field slave et house slave, donc en français esclave de maison et esclave de champ, du champ, qui vont apparaître. Donc souvent, très souvent, la plupart du temps, les esclaves de maison étaient ceux donc avec la peau la plus claire, les cheveux les moins crépus, et les esclaves du champ donc avec la peau la plus noire et les cheveux les plus crépus. Donc les femmes ont commencé à vouloir avoir des enfants de plus en plus clairs, sachant très bien que ça leur permettait d'avoir de meilleures conditions dans la vie. Et donc ici aussi va naître la notion de colorisme, donc qui est donc une forme de racisme qui est issue, donc qui est basée sur la couleur de la peau, donc qui distingue les individus selon la clarté de leur peau, donc une peau plus claire étant considérée comme plus jolie. Donc par la suite, les pratiques esthétiques de la communauté noire va s'arranger autour de celles des blancs, et ce sont des pratiques esthétiques dénaturantes, donc qui visent à décaper la peau, à s'éclaircir la peau. Ils vont vraiment tenter de gommer tout ce qui a trait à la négritude pour se fondre dans la masse. Et ce qui était né à l'origine, ce qui était à l'origine donc une punition, le défrisage. Donc c'était les maîtres esclavagistes. Donc, qui trempaient la tête de leurs esclaves dans un seau rempli de soude, bah, les esclaves vont se rendre compte que leur tête ressortait avec une texture de cheveux beaucoup plus lisse. Et donc, ils vont adopter cette technique-là pour défriser leurs cheveux et ressembler donc aux maîtres esclavagistes. Donc, des années plus tard, encore une fois, il va y avoir tout un mouvement de revalorisation des cheveux crépus à travers le mouvement des Black Power et des Black Panthers. Donc le cheveu crépus et plus particulièrement la coupe afro vont être mis en avant et utilisés vraiment comme signe de la fierté noire, de la fierté d'appartenir à une communauté. Et ça va être aussi mis en avant donc avec de grandes figures comme Angela Davis, des stars afro-américaines vraiment très 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 reconnues. Mais malgré ça, lorsqu'on avance encore dans le temps, on voit qu'encore aujourd'hui, lorsqu'on prête attention au champ lexical utilisé pour qualifier les cheveux crépus, on note vraiment une forte propension d'adjectifs reliés à l'animal. Donc on va avoir des termes comme « dompté », « apprivoisé », « crinière », « discipliné ». Donc ça renvoie à l'idée que la femme noire, son cheveu est sauvage, qu'il n'est pas civilisé et que toutes les interactions qu'elle doit avoir avec son cheveu doivent aller dans le sens de rétablir ce défaut originel. Donc, c'est ce que l'observation donc m'a permis de constater. On peut le voir également très 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 facilement lorsqu'on ouvre tout simplement un magazine féminin, comme ça peut être le cas, comme dans le diaporama que vous pouvez voir. En fait, utilisé de cette façon, ça montre que le cheveu crépus n'est pas un cheveu adapté, qui n'est pas sortable et normal, tout simplement. Donc, on voit que les femmes noires sont vraiment dans une psychose qui les contraint à supporter des douleurs physiques pour avoir le résultat d'un cheveu qui est vraiment souple, lisse et long. Et ça dénote vraiment de la profondeur de la blessure qui a été infligée et transmise en fait à travers les années. Donc elles vont se plier à une norme esthétique qui n'est pas la leur, mais qu'elles supportent et qu'elles ne questionnent même plus finalement. Donc je vais citer ici une de mes enquêtées qui nous dit « J'avais trop honte de me balader avec mon afro. Dans cette société-là, je ne suis pas 100% à ma place. Il y a un standard de beauté.
On ne va pas se mentir, on ne va pas se le cacher, ça influence, donc perruque obligatoire. Donc on voit qu'il y a vraiment une internalisation du racisme et du colorisme dans la communauté noire qui fait que des siècles après la mise en esclavage, certaines femmes noires pensent encore que leur cheveu n'est pas adapté, qu'il n'est pas beau, qu'il n'est pas souhaitable, ni même désirable. Et par souci de se conformer à la norme établie, elles vont donc se prêter à l'exercice du défrisage ou bien du même du port de perruque. Et pour illustrer encore une fois, je vais citer une de mes enquêtées, donc Bénédicte, qui, pour qui le meilleur souvenir lié à ses cheveux est le suivant. Donc pour moi, le meilleur souvenir, c'est quand lorsque je les trouve beaux, c'est lorsqu'ils sont bien lisses, juste après le défrisage, brillants et longs. Elle ajoute, c'est le manque de représentation qui m'a amenée au fait de trouver que le lisse, c'est la beauté absolue. Si je sors, c'est que j'ai au moins arrangé mes cheveux au préalable. Soit je vais les lisser, soit je mets une perruque, mais mes cheveux naturels, ce n'est pas possible. C'est un peu dur à expliquer, mais nous sommes dans une société qui prône un modèle unique de beauté. Et cette beauté, c'est l'européenne typique avec cheveux lisses. Et je pense que cela influe beaucoup sur les choix des gens, et même les miens au final. S'il n'y avait pas ça, peut-être que j'aimerais moins les cheveux lisses, sûrement même. Donc ce manque de représentation est renforcé par les expériences négatives que vont avoir les individus, donc souvent à l'enfance, donc avec leurs camarades de classe. Je vais citer ici un de mes enquêtés qui nous dit donc mon pire souvenir que j'ai, c'est un peu flou avec ma mémoire, mais si je m'en rappelle, c'est que ça m'a bien marqué. Lorsque j'étais plus jeune et que j'avais mon afro, on m'a craché dedans. Il y avait aussi des gens qui s'amusaient à y mettre des stylos et des choses comme ça. Donc Camille va nous dire, quand on était enfant, les Blancs nous disaient « Oh, mais on dirait tu as des antennes sur la tête » ou quand on allait à la piscine et qu'on laissait nos cheveux afro, j'avais toujours des remarques désagréables en disant « Est-ce qu'on peut toucher ? Oh, tes cheveux, on dirait de la mousse, on dirait de la moquette. » C'était des moqueries en fait. Anaïs va nous dire « Je suis née en Côte d'Ivoire et je suis venue, lorsque je suis venue en France, il y avait beaucoup d'insultes sur ma couleur de peau. » On était dans un quartier avec ma meilleure amie où on était les seuls noirs. On se faisait insulter de tous les jours. C'était vraiment compliqué. Je disais à ma mère, s'il te plaît, lisse-moi les cheveux, fais-moi un brushing, fais-moi quelque chose. Je n'avais que 6 ans et je lui demandais de me faire des brushings le soir. Lorsqu'elle rentrait du travail, elle me faisait un brushing pour le lendemain. Donc on voit que c'est vraiment des témoignages qui sont très 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 forts et qui sont très marquants. Et en grandissant, ces micro-agressions ne vont pas s'arrêter, elles vont se poursuivre dans la sphère professionnelle. Et j'ai pu recueillir également de nombreux témoignages d'enquêtés qui m'ont indiqué recevoir vraiment des remarques désobligeantes sur leur texture de cheveux ou bien sur la coiffure portée, sur leur lieu de travail ou bien même au préalable lors d'un entretien. Donc pour certains, c'était que des remarques et pour d'autres, ça allait vraiment jusqu'à une injonction de changer de coiffure, de lisser, de plaquer. Donc Anaïs va nous dire « Mon pire souvenir, c'est lorsque j'étais au travail avec mon afro et les gens se sont moqués. Ils ont rigolé et ont dit « Mais où sont tes cheveux? Tu n'as plus d'argent. » J'étais « Waouh !» Donc vraiment, c'est comme ça. Quand les gens te voient au naturel, ils ont du mal, ils te critiquent. Donc dans le milieu professionnel, c'est défrisant à tout prix, sinon ce n'est pas possible. Certains n'acceptent pas les nattes collées ou l'afro, même les nattes, donc défrisant. Donc, j'ai également recueilli un témoignage donc, de toujours Benjamin, donc, étudiant donc, en droit, qui lorsqu'il cherchait un stage, a dû se couper les cheveux parce qu'il recevait vraiment beaucoup de remarques désobligeantes sur son afro. Et voilà, il y a eu récemment une polémique. Lorsqu'on fait une recherche rapide sur Google en tapant « coiffure non professionnelle », les résultats qui apparaissent, ce sont des résultats de femmes noires portant leurs cheveux crépus, très souvent en afro. Donc ce que ça fait, c'est que ça conforte les femmes noires dans l'idée que leurs cheveux n'est pas adapté, qu'il n'est pas normal, et ça renforce le malaise qu'elles peuvent avoir. Donc ça, c'est une chose. Après, il faut noter qu'il y a de plus en plus d'actions pour lutter donc, contre les discriminations capillaires, notamment à l'emploi. Donc notamment en Outre-Atlantique, donc aux États-Unis, la Californie et la Commission donc des droits de l'homme de la ville de New York ont signé donc des lois anti-discrimination capillaire. Donc selon les textes, les cheveux restent une cause répandue de discrimination raciale avec des conséquences économiques et sanitaires graves, spécialement pour les individus noirs. Donc désormais, au même titre que le sexe, la religion ou l'origine ethnique, ils ne pourront plus être discriminés sur la texture ou la coiffure qu'ils portent. Donc
Également, au Royaume-Uni, on peut citer donc le grand groupe Unilever qui a également adopté des actions anti-discrimination capillaire. Donc on voit qu'il y a énormément de mouvements qui sont mis en place et qui s'organisent pour lutter contre ces discriminations-là. Et pour finir, donc, j'aimerais vraiment insister sur le fait qu'il s'agit ici, comme l'a mentionné tout à l'heure donc, Madame Cellini, qu'il s'agit d'un phénomène à aborder de manière intersectionnelle. Donc les femmes ici vivent des discriminations capillaires, donc dans un premier temps car elles sont femmes, donc des discriminations sexistes, mais également en tant que personnes noires, donc discrimination raciale. Et c'est des discriminations capillaires qui pèsent d'autant plus sur les femmes que sur les hommes dans les interactions au quotidien, dans la sphère familiale, professionnelle et autres. Et donc j'aimerais donc terminer en se penchant sur une réflexion de l'auteur et sociologue Juliette Smeralda qui nous dit « Le cheveu crépus ne sera plus censé créer de soucis aux personnes qui en sont dotées lorsque le regard de la société, donc entre parenthèses parents, famille, chefs d'entreprise, créateurs de mode, hors groupes sociaux, etc. aura changé. » Lorsque les spécialistes du cheveu auront apporté leur contribution savante à la connaissance de ce cheveu, lorsque enfin, tout simplement, le cheveu crépus sera accepté par le porteur, par la société, par les spécialistes du cheveu et par l'industrie de la cosmétologie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Et je pense qu'on... On a contre ces trois présentations qui ont des temporalités et des sociétés différentes. Je pense qu'une question très générale qu'on peut poser, commence la discussion, c'est la relation entre une société qui, en gros, en termes global, se fait de plus en plus mélangée, hétérogène, multi-ethnique, multiculturelle, et de l'autre côté, des habitudes enracinées qui continuent de parcourir des sociétés. Donc, c'est cette tension entre ce qui est mélangé et ce qui est encore très, très, à des rapports avec des esprits de conservation des sociétés. Donc, je crois que c'est un point très intéressant pour commencer à réfléchir sur ces préjugés qui se manifestent. Et une chose qui aussi m'a frappée, c'est le fait qu'il ne suffit pas de changer la loi. Alors, ce sont des structures. Il faut vraiment des changements structurels pour que ces situations dramatiques ne cessent d'exister ou ne se répètent pas de cette façon. Alors, je passe la parole aux autres, alors à la discussion, à l'audience. On va prendre les questions de l'audience. Alors, une question qui s'adresse à la fois à Fabrice Dume et à Béat Collet. Lorsqu'on la considère sur une longue période, depuis les années 50 ou 60 en France, la sociologie des migrations et de l'immigration a évolué dans la conceptualisation dominante qu'elle met en avant. On est passé d'une problématique en termes d'assimilation à une problématique en termes d'intégration, puis aujourd'hui à une problématique en termes de discrimination. Quelle est votre compréhension de cette évolution ? Je laisse la priorité à vous, Fabrice, de répondre. Je suis un petit peu en peine de répondre à cette question de façon générale. Un des enjeux qui se joue derrière, c'est la transformation des rapports de pouvoir autour de la parole publique, l'organisation notamment d'un certain nombre de groupes pour pouvoir faire entendre leur parole, leur point de vue, leur expérience. Voilà, il me semble qu'il y a des choses qui ont trait à cela. Je suis un peu en peine parce que c'est là pour le coup ça m'emmène assez loin de ce que j'ai proposé dans la discussion, donc
Je pense qu'il ne faut pas concevoir ces trois conceptualisations comme des étapes dans un processus historique, mais plutôt voir comment ces conceptions coexistent. Et donc, elles ne sont pas exclusives, en fait. C'est-à-dire que l'assimilation et l'intégration est encore très, c'est encore très confondu. C'est-à-dire que là où l'assimilation propose une norme à atteindre, c'est-à-dire une norme sociétale à atteindre en termes de cheveux, en termes de comportement, en termes de standards. L'intégration propose une ouverture un peu plus large en termes de mode d'intégration, c'est-à-dire un peu plus respectueux des particularités en termes de diversité, on va dire. Et puis la discrimination s'est ajoutée dans ce contexte pour justement montrer que dans les processus d'intégration des populations, il y a des phénomènes de discrimination qui entravent ou qui mettent des freins à ces processus d'intégration. Donc, les trois concepts, il faut qu'on les garde, puisque certains parlent d'intégration tout en voulant dire assimilation, vous voyez ? Donc, il faut qu'on continue à réfléchir les trois concepts ensemble. Donc, voilà. Bon, j'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à dire dans le chat hein, si vous souhaitez des précisions par rapport aux réponses. J'ai ensuite une question pour Maxime Goletto. Est-ce que vous savez quelles sont les punitions infligées aux esclaves fuyards ? Si les maîtres, pour une question de principe, préfèrent payer plus pour retrouver les esclaves qui ont fui, ils devaient certainement infliger une punition exemplaire pour réaffirmer la pertinence de la société esclavagiste. Alors oui, tout à fait. Comme c'est dit et comme vous l'avez dit, il y a évidemment des punitions très cruelles et violentes qui sont infligées aux esclaves. Je ne vais peut-être pas rentrer dans l'énumération, mais oui, globalement, des coups de fouet, ça va jusqu'à couper le nez, les oreilles ou la langue de l'esclave, de manière à ce qu'il puisse encore travailler, mais à ce qu'il puisse plus, à ce qu'il soit quand même puni. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est mêlé aussi à parfois une séparation du groupe, puisque l'esclave fuyard, on a des fois peur qu'il puisse influencer d'autres esclaves. Et donc, il y a une volonté de le marquer pour qu'il soit séparé des autres esclaves dans la communauté dans laquelle il revient. Voilà. Alors, j'ai une question, mais il y aura peut-être que la personne souhaitera préciser. Je pense que de ce que j'en comprends, c'est... plutôt pour vous, Naïssa Kimbaza, par rapport aux représentations des cheveux des femmes africaines, mais en Afrique. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de précision, mais si jamais la personne souhaite préciser dans le chat. Du coup, la question n'est pas complète, si j'ai bien compris, c'est ça ? Il y avait juste cette partie-là, mais peut-être qu'il y aura des précisions, je ne sais pas, mais pour l'instant, si vous souhaitez réagir. Ok, très bien. Moi, c'est vrai qu'effectivement, comme l'a dit tout à l'heure, donc en introduction, les études sur les cheveux sont des études qui sont vraiment très anglophones. J'ai pu citer notamment Juliette Serre-Emeralda, qui est une sociologue qui a également parlé donc de ces questions-là. Moi, mes études, je les ai basées principalement sur ses écrits. J'ai pas nécessairement étudié de manière approfondie les représentations des cheveux crépus, en tout cas de manière sociologique, sur le continent. Non, ça n'a pas été le sujet. Est-ce qu'on va donner la parole à Monsieur Kébé qui a une question ? Oui, bonjour. Effectivement, j'ai une question pour Madame Kimbaza. Et voilà, j'ai trouvé le sujet très intéressant. Et comme vous venez de le préciser, voilà, il est encore très peu étudié dans le monde académique local. Et je me suis demandé pourquoi vous n'aviez pas songé à poursuivre vos recherches en doctorat. Merci. C'est une très bonne question. Alors, il faut savoir initialement que je suis issue du master donc professionnel, donc de sociologie professionnelle. Donc, j'ai effectué donc ce mémoire de recherche en première année et j'ai poursuivi ensuite donc par un stage professionnel qui m'a énormément plu. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu poursuivre du coup mon parcours tout simplement. Mais c'est vrai que c'est des questions qui m'intéressent fortement et que je poursuis dans mon activité militante par ailleurs. Alors, une question dans l'auditoire, je vois tout de suite. Oui, merci. Maxime, j'ai une question. Est-ce que quel est le rapport, aussi dans la documentation que vous avez exploité, il y a moyen de trouver le rapport qu'il y avait ces libertos dans les plantations, lorsqu'ils restaient dans les plantations,
avec les engagés européens qui, à un même moment, arrivaient et qui étaient aussi victimes de pas mal de stéréotypes et de maltraitances. C'était une population blanche mise en esclavage, finalement. Donc, ce qui a une manière, dans la documentation, de rendre compte des rapports qu'ils pouvaient avoir entre eux ou... Alors oui, moi j'ai trouvé quelques documents. Il y a même une bibliographie qui existe hein, sur l'apparition des Blancs sur les plantations, notamment vers la fin du 19e siècle au Brésil. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait penser qu'il y aurait une solidarité de classe, pas vraiment en fait. Hein. En fait, l'enjeu des travailleurs blancs, c'est à tout prix ne pas être assimilé aux esclaves parce que c'est des conditions de travail qui sont très 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 dures. Et donc, au contraire, il y a une volonté de se distancier et de bien mettre une différence, de renforcer parfois même une séparation raciale. Voilà. Alors, il y a deux questions dans l'auditoire. Béate, oui. Ce serait une question pour Fabrice Dume. Donc, on a vu à quel point la libération de la parole est difficile et comment finalement aussi toutes les structures n'aident pas à cette libération de parole. Ou même le statut de victime est un statut qui finalement s'impose et est contraignant, hein, donc ne permet pas de parler. Et donc, les exemples étaient plutôt tirés en dehors de l'université, mais en même temps, je connais vos compétences aussi sur le monde universitaire. Est-ce que vous auriez un exemple ou un fait à nous raconter qu'on pourrait directement mettre à profit dans notre travail au sein de l'université ? Oui, j'ai un exemple qui vient de ma propre expérience lorsque j'étais enseignant-chercheur dans une université parisienne, qui est la manière dont les missions sont structurées dans les universités et avec des enjeux aussi de conflits entre les différentes causes. Et comment l'organisation, par exemple, des logiques d'égalité femmes-hommes, d'une part, la manière dont elles sont organisées et le paradigme qui les anime est beaucoup plus dans un traitement individuel des situations, et du coup, a beaucoup de mal à faire de la place aux problématiques de discrimination qui renvoient, pour le coup, vers des dimensions de nature institutionnelle et structurelle dans la production des inégalités. Et a du mal également à faire de la place à des dimensions ethno-raciales et à des lectures, qu'on pourrait dire, intersectionnelles ou d'articulation des rapports sociaux. Ce qui se traduit, par exemple, dans le fait que lorsqu'émergent un certain nombre de situations liées à des expériences de racisme ou de manifestement de discrimination raciale, il est extrêmement difficile de faire reconnaître la légitimité et même d'intervenir institutionnellement sur ces situations. Voilà, dans mon expérience en tout cas, je pense à un certain nombre de cas de ce type-là. Il me semble que du coup, il y a deux dimensions. Il y a effectivement d'une part la conflictualité entre différentes causes et l'autre qui est le type de paradigme par rapport à la question qui renverrait aussi à la question qui était posée tout à l'heure et l'intervention de Beate. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'au jour d'aujourd'hui, même si certes les travaux sur la discrimination sont plus nombreux, que nous ayons fondamentalement basculé dans le paradigme, en tout cas du point de vue de l'action publique. Ça me semble très clairement pas être le cas. Alors, j'ai une question pour Maxime Goletto. Quelle était la prise en compte des Amérindiens particulièrement invisibilisés encore aujourd'hui ? Alors oui, c'est une question effectivement qui soulève quelque chose d'assez important. C'est vrai que même dans l'historiographie, on n'en parle pas énormément des Amérindiens. Ce qui est certain, c'est qu'au XIXe siècle, ils ne sont pas intégrés à la logique servile. Il n'y a pas vraiment d'Amérindiens esclaves sur la plantation. Sont-ils pris en compte dans une certaine idéologie de hiérarchie raciale au Brésil ? Oui, très certainement. Au-delà de ça, j'avoue que ce n'est pas mon sujet de recherche et que je n'ai pas les compétences pour répondre au-delà de ça. Il y avait aussi une question pour Fabrice Dume, qui, je pense, est assez
complémentaire avec celle de Béate, est-ce qu'on peut dire que la vraie prise de parole des personnes racisées ou des victimes de discrimination est empêchée finalement par une promotion de la diversité et d'images républicaines lissées, comme lors du colloque que vous évoquiez lors de votre communication? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui la bloquent, mais il est clair, pour avoir travaillé notamment sur la question des politiques publiques, que les différents référentiels de politiques publiques, pour le coup, sont en tension ou se contredisent, et que la question de la prise de parole, si on admet effectivement qu'elle a une dimension intrinsèquement politique, de remise en question d'un ordre social, elle est tout à fait problématique du point de vue des institutions et des types de paradigmes qui sont dominants dans les politiques publiques. C'est le cas sur la promotion de la diversité, qui fonctionne de manière tout à fait différente, c'est-à-dire que la diversité repose sur la reconnaissance et la mise en scène de différences qui sont attribuées à des populations et à des groupes de populations. Cette mise en scène, elle sert à placer les institutions comme le lieu du reflet de la société. Voilà, donc pas du tout le lieu des tensions qui traversent la société dans ses hiérarchies, dans ses inégalités, mais une espèce de représentation pacifiée. Voilà. Donc cette logique consensualiste qui organise de façon générale les politiques publiques, elle est évidemment un obstacle, à mon avis, à une question d'une parole de nature politique qui, par définition, est plutôt d'ordre conflictualiste. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'interrogation. Oui, une question dans l'auditoire, oui. Merci pour cette remarque, parce que je pense que la notion de diversité est une notion rhétorique, au sens premier du terme, qui vient en fait tenter de résoudre les conflits qui sont des conflits permanents, mais comme c'est la rhétorique, on est obligé de recommencer à chaque fois. C'est peut-être ça en fait la réalité de cette notion de la diversité, avec des expressions qui sont bien connues, issues de la diversité. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, en refusant de prendre une autre casquette qui est celle de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, bon, qui peut être intéressant ici. En revanche, je voudrais deux petites questions et deux petites remarques. L'une, c'est à Maxime, et à propos justement des châtiments qui pouvaient être faits à ceux qui avaient marronné. Donc j'utilise en fait le mot français pour désigner en fait les fugues que vous évoquiez tout à l'heure. Mais pour une raison très simple, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que le Brésil est le premier pays, l'un des pays frontaliers de la France. C'est à côté de la Guyane. Donc, oui. Il y a l'immense forêt. Et je pense qu'en fait, les mouvements que vous étiez en train d'évoquer tout à l'heure me faisaient penser aux mouvements qui sont effectivement des mouvements semblables en Guyane, c'est-à-dire l'ancien Suriname. Alors, le mouvement justement, du marronnage commence au XVIIIe siècle au Suriname, qui va effectivement se développer, comme vous le savez sans doute, au Brésil. La question était, est-ce que les maîtres qui veulent absolument récupérer leurs esclaves ne le font pas parce qu'ils ont besoin en fait de ces esclaves, parce qu'ils y ont investi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que vous répondiez à la question tout à l'heure, pourquoi ils ne les rachètent pas, mais parce que c'est une sorte d'investissement qu'ils ont fait, et qu'en fait, il vaut mieux pour récupérer l'esclave pour lequel ils ont fait un investissement que d'aller chercher un nouvel esclave qui va créer chez eux un nouvel investissement. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, et qui fait qu'effectivement le système est maintenu en ce sens-là? Ça, c'était ma première question pour vous. Alors, la deuxième, comme ça, je me tairai tout de suite, c'est pour Naïssa, à propos justement des cheveux. Moi, j'étais très, très intéressé à ce que vous avez dit des cheveux, et surtout la façon dont vous avez terminé votre propos en reprenant l'ouvrage de Smeralda, qui est en fait la seule en France, mais ces exemples sont plutôt des exemples antillais hein, aussi, plutôt. Ce que vous avez dit me paraît d'autant plus signifiant de la question de discrimination, quand on connaît ce que vivent, et là je parle d'expérience, vous allez comprendre pourquoi, quand on connaît ce que vivent, par exemple, les jeunes filles métisses en France, qui n'ont jamais été en Afrique, et que l'on ne voit qu'à travers leurs cheveux. Alors, je vous donne donc un exemple qui est très personnel. Moi, j'ai des enfants qui sont des enfants métisses, qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Elles ne savent même pas où c'est. C'est très bien pour elles. Mais simplement, j'ai découvert qu'elles avaient un problème quand elles ont vu une de mes sœurs qui est médecin. Et ma sœur qui est médecin a résolu le problème de ma fille à 8 ans quand elle s'est mise à la tresser. Elle n'avait jamais subi de tresse africaine.
Mais elle n'est pas africaine, ma fille, elle est métisse. Donc, oui, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il y a peut-être un petit problème avec les cheveux. Ça ne m'avait pas frappé. Et tout ce que vous dites m'interpelle de ce point de vue-là, du point de vue de la manière par laquelle un élément comme le cheveu est un élément effectivement discriminant. Ça peut être discriminant. Mais en fait, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Mm-hmm. Et toutes les micro-agressions que vous avez évoquées renvoient effectivement à ce que vivent un certain nombre de sujets dans la société où la question justement de la nature des cheveux n'est pas prise en compte. Je veux dire, même moi, je ne l'ai pas prise en compte, vous voyez. Ce qui est, pour moi, c'était pas un problème, en fait, oui. Si vous voulez. Mais en fait, non, c'est faux. C'est moi qui avais un problème. C'est moi qui avais un vrai problème. Non, et effectivement, tout ce que vous dites sur le lissage des cheveux, si j'avais une heure, je vous racontais là, en fait, l'aventure de ma fille hein, et de ses rapports aux cheveux entre l'âge de 4 ans et l'âge de 22 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Mais vraiment, bon, aujourd'hui, elle est en paix avec ça, je crois. Mais, enfin, je pense qu'elle est en paix avec ça. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs. Mais bon, voilà, les étapes que vous évoquez tout à l'heure entre couper les cheveux, faire des nattes, lisser les cheveux, les mettre en quinconce, faire afro, Angela Davis, c'est des manières, justement, de résoudre ce petit problème qui est un problème, justement, de la discrimination sur laquelle, en fait, oui, on a le sentiment qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il y en a un vrai. C'est pour ça que votre communication m'a intéressé. Je terminerai simplement en disant qu'effectivement, je vous donnerai la réponse si vous voulez, mais il y a un ouvrage en littérature sur la question de la coiffure. Sur la coiffure en France au XVIIIe siècle. C'est assez intéressant. Comment est-ce que les femmes, là encore, on revient des discriminations, à l'action de discrimination dans le monde blanc, comment est-ce que les femmes ont en quelque sorte un problème avec la coiffure et comment la coiffure discrimine en France, discrimine la bourgeoisie par exemple et l'aristocratie. Bon, pour ne prendre que des exemples comme ceux-là, il y a une collègue américaine qui est malheureusement décédée aujourd'hui qui a fait tout un travail là-dessus, c'était son dernier travail avant qu'elle meure, sur justement la coiffure en France. 18e, 19e, absolument génial. Oui. Peut-être qu'il peut répondre. Il répond. Oui, allez-y. Oui, alors, pardon. Oui, donc pour répondre à votre question sur peut-être la volonté de récupérer un investissement. Alors, effectivement, il y a peut-être de ça, de se dire qu'on a investi non seulement à l'achat d'un esclave, mais en plus le nourrir, le vêtir pendant certaines années. Effectivement, il y a un coût qui a été investi dans l'esclave. Mais ça peut être quand même tempéré par le fait qu'un esclave qui fuit et qui est qualifié donc comme esclave fuyard, qui est parfois même marqué au fer rouge, donc il le porte sur, physiquement, le fait qu'il a été fuyard, sa valeur va être dépréciée. C'est-à-dire que si le maître venait à vouloir le revendre, il le revendrait beaucoup moins cher. Donc, en fait, ça serait, d'un point de vue purement économique et rationnel, le maître aurait en fait plutôt intérêt à racheter un nouvel esclave. Et je pense, c'est pour ça qu'il y a quand même une portée idéologique au fait de vouloir payer plus et de vouloir à tout prix récupérer l'esclave en fuite. Même si, oui, comme vous le dites, effectivement, c'est peut-être aussi une question de ne pas vouloir perdre l'argent qu'on a investi. Les deux éléments. Et donc, je vais également répondre. Donc, effectivement, comme vous l'avez amené, c'est vrai que quand on pense aux cheveux, de prime abord, on se dit que c'est que des cheveux, que ça n'a pas bien grande importance, et que voilà, ça peut être le cas pour certaines communautés, c'est vrai, mais c'est vrai que... lorsqu'on porte les cheveux texturés, c'est souvent un réel problème. On se pose la question de la coiffure que l'on va porter lors d'un entretien notamment. On peut avoir de très fortes injonctions à changer notre texture, à changer notre coiffure. Et ça, c'est un problème qui va commencer dès l'enfance et qui va se poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Ça ressort vraiment très fortement dans les entretiens que j'ai pu mener avec mes enquêtés qui vraiment... femmes comme hommes, mais vraiment plus souvent pour les femmes, relatent des faits de remarques vraiment très désobligeantes sur leur coiffure, sur leur texture, et qui les amènent à se remettre en question vraiment sur leur identité, sur la manière dont elles doivent se représenter en société. Donc c'est vraiment pas une question qui est anodine, bien qu'elle soit pas assez approfondie dans les études francophones, mais comme vous l'avez dit, effectivement, c'est vraiment une question qui est très 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 importante, finalement. Madame Dessouza aussi, si vous souhaitez intervenir et que votre connexion n'est pas trop mauvaise, n'hésitez pas. Mais sinon, je laisse la parole à Madame Sehili. Non, mais je... Ah.
Monsieur Dume, si vous souhaitiez prendre la parole. Oui, je voulais simplement réagir à ce qui était dit sur la notion de diversité, sur le caractère rhétorique de la notion de diversité. Alors, c'est une des dimensions, mais j'ai envie de dire pas seulement, et à mon avis, ça n'est pas la dimension principale qui se joue dans les politiques publiques. Je pense que c'est fondamentalement aussi une question paradigmatique, c'est-à-dire que la diversité a un usage d'abord différent des catégories, autour de la représentation des différences et qui s'appuie la plupart du temps sur une conception essentialiste qui contribue, en fait, à essentialiser des catégories sociales. La deuxième chose, c'est que c'est lié à un problème de représentation du corps politique et lié au fond, c'est-à-dire que l'idée de diversité prospère sur un fond d'unité, sur l'idée que au point de départ, il y a la question d'une unité et qu'il y a quelque chose qui n'est pas interrogé dans cette affaire-là. Si on prend le champ scolaire, c'est particulièrement significatif, c'est-à-dire que tout le lexique de la diversité, il va retrouver le lexique de l'hétérogénéité pédagogique, c'est-à-dire il relève du problème. La diversité est toujours un problème, et c'est au fond ce caractère problématique, qui est problématique liée à la différence, qui amène finalement à focaliser et de point de vue rhétorique à parler des gens issus de la diversité pour pointer des populations à la fois essentialisées et toujours pensées comme un problème par rapport à l'unité de départ. Et la dernière chose, c'est que c'est aussi lié fondamentalement à une controverse et un conflit sur le rôle que doit jouer le droit. Vous savez que la question des discriminations, elle est notamment fondée avec le droit autour d'une logique de l'interdit d'un certain nombre de pratiques et d'usages de catégorie, et elle représente une arme aussi pour pouvoir contraindre un certain nombre de pratiques ou faire valoir un certain nombre de problèmes. Vous savez que politiquement, la question de la diversité, en tout cas à partir du début des années 2000, elle a été réintroduite, notamment par la droite dans le champ politique, pour écarter la problématique du droit et son rôle de contrainte pour les entreprises et lui substituer plutôt un engagement moral. Donc je pense qu'on ne peut pas résumer ça, en fait, seulement à une dimension rhétorique, même si, évidemment, elle est présente aussi. Oui, en fait, moi, je voulais aussi réagir par rapport à la dimension strictement rhétorique de la diversité. Donc, Fabrice vient de répondre. Je ne vais pas refaire une réponse. Je sais exactement à peu près ce que je voulais dire. J'ai juste peut-être pas vraiment une question à Aïssa, d'accord. D'abord pour dire que j'ai trouvé passionnant vos propos et qu'effectivement, merci. Je trouve que ça mériterait un vrai travail de thèse. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous ne pourriez pas, voilà. Parce que là, il y a vraiment de quoi faire. C'est des sujets qui m'ont particulièrement intéressée. Et dans votre propos, ce que j'entendais aussi en même temps, c'est qu'il y a à la fois la question du cheveu, il y a la question du blanchiment de la peau. Vous en avez parlé. Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment deux prismes à prendre ensemble. Parce que la question du blanchiment de la peau, je pense par exemple à l'usage de cosmétiques dans certains pays, voilà, en France aussi, mais certains pays africains qui permettent de blanchir la peau. Je pense au rasoul, enfin voilà. Et tout ça me semble relever un peu du même processus que du lissage. Et voilà, donc bon. Mm-hmm. C'était, et je vous dire aussi que si vous êtes intéressé, mais peut-être que vous connaissez certainement déjà, il y a ce magnifique film d'Amandine Gay, évidemment, Ouvrir la où, voilà, où il y a toute une partie qui réfère justement au rapport aux cheveux, notamment, qui est absolument, absolument sublime. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Béate Collet. Je voudrais juste faire une petite remarque concernant la diversité. Je souscris à ce qui a été dit sur la rhétorique. C'est la manière comment nous avons en France, on va dire, de traiter ces questions. Cet après-midi, notre collègue Teil Sunier, qui vient des Pays-Bas, va à nouveau traiter de cette question de diversité, mais avec une acception plus grande. C'est-à-dire que il considère que la politique néerlandaise est fondée sur à la fois le droit individuel et le respect de la diversité et que ça permet de prendre autrement en considération les questions de respect des religions notamment. Et donc, voilà, donc c'est intéressant de voir que même peut-être on pourrait arriver à mieux conceptualiser la diversité. Pour le moment, en France, on voit clairement que c'est assez rhétorique et puis il y a des méfaits. Mais donc, je vous invite cet après-midi, en fin d'après-midi, à écouter la conférence de Teil Sunier
qui parle du traitement de la religion aux Pays-Bas. Alors je prends le relais de Violette Das qui a dû s'absenter un instant pour le bon déroulement du colloque. Juste pour sur ces questions de diversité, puis ce qui a été évoqué à propos des missions aussi égalité, lutte contre les discriminations, je pense que c'est un vrai enjeu, parce qu'on se disait avec Virginie Mansuy, il y a deux missions, une du côté de l'égalité, une autre du côté de la lutte contre les discriminations à Sorbonne Université. Alors que nous, on a fait ce choix, finalement, à la Faculté des Lettres, d'associer les deux. Et effectivement, c'est ce que j'essaie de dire aussi en préambule, de travailler vraiment conjointement. On voit bien que les éclairages sont absolument complémentaires et que les choses se renforcent. Donc je pense que c'est vraiment absolument essentiel qu'on continue à réfléchir, et notamment sur ce qu'on appelle diversité. Et on a été aussi interpellé évidemment, sur égalité, et pourquoi on ne met pas de S, et ce genre de questions aussi qu'on nous a posées. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Il reste beaucoup de questions dans le chat. Je pense qu'on ne va pas avoir le temps, malheureusement, de pouvoir y répondre. Alors, peut-être juste une dernière, parce que c'est vrai que sur les cheveux, ça a notamment beaucoup stimulé de questions, enfin, engendré de questions. Notamment, il y a une question d'Angéline qui dit, est-ce que le terme de colorisme est un terme qui est attesté dans la sphère sociologique, qui est resté dans la sphère sociologique, et n'est-il pas diffusé dans la sphère militante, ou pourquoi ne l'est-il pas ? Est-il tout simplement caché dans le terme de racisme dans la sphère militante ? C'est une première question. Et deuxième question, si une des solutions serait d'avoir plus de représentations positives des cheveux crépus esthétisés dans les médias, est-ce qu'il y a d'autres solutions à court terme pour aider les jeunes filles de 6 ans à ne pas se sentir mal de leurs cheveux ? Alors, le colorisme, c'est vraiment une discrimination qui est issue du racisme. Donc ça part du principe, du même postulat, voilà, qu'il y a des races, entre guillemets. Et donc, pour le colorisme, ça va partir du postulat que la peau la plus claire étant la plus jolie. Donc c'est vraiment une émanation, si je puis dire, du racisme. Et c'est vrai que c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le monde militant. Et bon, je l'ai moins vu encore, encore une fois, dans les études peut-être francophones, mais c'est un terme qui est vraiment très utilisé dans le monde militant en tout cas, et qui est vraiment qui va être analysé de manière conjointe au racisme en fait. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais pour la seconde question, effectivement, ce que j'ai pu noter, donc notamment à travers les témoignages, c'était ce sentiment en fait de ne pas être représenté, donc notamment dès l'enfance, ça va renforcer cette idée qu'on n'est pas à sa place, que notre cheveu n'est pas adapté. Je vais vraiment insister sur ça, parce que lorsqu'on revient sur le témoignage de Bénédicte, c'est lorsqu'elle disait que c'était notamment le manque de représentation qui l'emmène à penser encore à l'heure actuelle que le cheveu crépus n'est pas beau, et que c'est vraiment le cheveu lisse qui est le plus beau, parce que c'est ce qu'elle voit depuis son enfance, c'est ce qu'elle voit dans les médias, c'est ce qui est représenté. Donc je pense effectivement que mettre l'accent sur la représentation dans les médias et pas que, hein, vraiment dans toutes les sphères dans lesquelles on peut évoluer au quotidien, c'est l'une des solutions pour lutter contre ce phénomène-là. Merci de votre réponse. Peut-être que ce que je peux juste faire en balayant un certain nombre de questions dans le chat, il y a notamment des questions sur le coût. Le fait de lisser ses cheveux et les risques aussi associés à la santé. Il y a des remerciements aussi de personnes. Il y a quelqu'un qui dit j'enseigne en BTS, et c'est très important ce dont vous venez de parler à propos de la coiffure pour le travail qu'il mène avec ses élèves. Et Gaëlle Lacasse qui nous signale une thèse qui a été soutenue sous sa direction sur le traitement des cheveux crépus dans les processus de socialisation et d'intégration en France et au Cameroun. Okay. Donc, qui peut vous intéresser. Mm-hmm. Ce que je relève aussi, c'est donc l'intérêt, encore une fois, de l'ensemble des contributions de ce matin, avec un certain nombre de questions dans le chat. Et peut-être qu'on pourra aussi relayer, nous, ces interventions, ces questions, d'une manière ou d'une autre, en parallèle de la diffusion de notre colloque. Je pense qu'il est temps de clore la matinée, parce que nous allons débuter de nouveau à 14h. Et je voudrais aussi remercier très chaleureusement tout le monde, vraiment, tous les intervenants, le public, l'auditoire, et donc pour ces riches débats que nous allons donc poursuivre avec plaisir cet après-midi. Rendez-vous donc pour à 14h, et avant, bien sûr, pour les personnes qui interviennent, pour les connexions diverses. Merci à vous.
Thank you.